Donc voilà, me revoilà dans la deuxième partie de ce feu qui continue à être maîtrisé par ces pompiers. Et on va descendre en bas pour aller voir comment ça se passe. On propose ça tout de suite. Vu qu'on peut y accéder, c'est juste. Avec vos pros. De ma chèvre. Donc on va aller par là. On vient à la route. Vous voyez une voiture de pompier là-bas. Mais ils m'ont rapproché. Vu que je la vois et vu que mon vélo est attaché, on va aller voir où ça en est par l'autre côté. On se retrouve dans un instant. Bonjour monsieur. C'était pas loin de chez vous, le feu. Ah, je sais pas. Parce qu'il y a un feu à côté. Ah ouais? Ouais. Ils l'ont ici ou pas? Ouais, les pompiers l'ont éteint. Ils le maîtrisent bien. Ah, ça va. Vu qu'ils sont sur place. Vous voyez les pompiers là-bas qui emballent le matériel. Je sais pas si vous voyez. Ils vont être prêts à repartir. On va y arriver avant qu'ils partent peut-être. Pour leur demander comment l'intervention s'est passée. Bien sûr, vous aurez cette interview sur Radio Fourque. Parce que ça concerne Fourque, tout ça. Vous avez des interviews du maire que vous pouvez regarder. Je vous conseille de mettre un pouce bleu à la chaîne Radio Fourque. Voilà, je vous le montre, le pouce bleu. Et de vous abonner à la chaîne Radio Fourque. Je vous fais confiance. Je ferai des directs je sais pas quand sur cette chaîne, mais j'en ferai. Ça sent le feu, ne vous inquiétez pas. On voit la voiture de pompiers là-bas. Regardez, voilà. On la voit, on la voit. Elle est juste ici. Donc voilà la voiture de pompiers. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous nous filmez, jeune homme ? Juste comme ça. J'ai une radio qui s'appelle Radio Fourque. Puisque nous sommes sur Fourque ici. Enfin presque. Ne vous approchez pas parce qu'il y a des guêpes là. Hein ? Des guêpes ? Ouais. Vous êtes venu pour le feu ? Oui, on est venu pour le feu qui est juste là. Et le feu est maîtrisé du coup ? Okay. J'ai pas le temps de vous parler, jeune homme. Ouais. Laissez-moi juste faire ce qu'on a à faire.
à repartir. Et on sait pas trop si le feu est maîtrisé. Mais bon. On en saura plus dès qu'il y aura d'autres pompiers. Voilà, ils vont pas tarder à partir. C'est pas pratique ces voitures-là. Bien sûr, on va aller leur demander si le feu est maîtrisé. Par contre, c'est pas trop. Il y a plein de fumée, c'est ce qu'on est sûr. Et après, bon, on n'en sait pas plus. Était l'incendie. Là, on sent le feu qui est vers là. Et bien sûr, c'est cette habitation ici. On ne peut pas s'en rapprocher trop vu que ils sont là. Voilà où est le camion de pompier. Voilà, on peut voir le camion de pompier. Je ne sais pas trop si vous m'entendez avec le bruit du camion de pompier.